Il t'est tout à fait possible de t'enrichir sur Internet en t'abonnant à des chaînes YouTube, en visitant des pages Internet et en t'inscrivant sur certains sites. Alors si tu veux savoir comment moi je fais, je t'invite tout de suite après le générique. C'est parti. Donc le site que je présente aujourd'hui s'appelle Pico Workers, voilà. Mais avant que je commence la présentation même, alors s'il te plaît, prends juste 5 secondes. 5 secondes pour aller liker la vidéo. Juste 5 secondes, tu cliques sur le bouton liker et c'est bon. Voilà, une fois que c'est fait, on commence ici. Donc, Pico Workers, c'est quoi? C'est un site qui te permet de faire du cash en faisant des petites tâches, là, small jobs, en likant des vidéos, en s'abonnant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avant de commencer, même à vous montrer comment j'ai fait pour gagner de l'argent ici, je vais vous montrer combien j'ai déjà gagné et combien j'ai déjà pu retirer, parce que c'est pas un site, c'est pas un faux site, c'est pas un scam, c'est un site tout à fait correct. Donc, je vais me rendre dans l'onglet Withdraw. Voilà, et là, vous pouvez constater que j'ai fait, voilà, ça date quand même, hein, c'est 27 novembre 2018. J'ai fait un retrait de 5,45$ via mon adresse Dogecoin. Voici mon adresse Dogecoin ici. Voilà, j'ai fait le retrait et je l'ai reçu sur le site CoinPoint. Le voici. Il est arrivé un peu plus tard. Voilà, parce que ça fait, je crois que c'est 10 jours, oui, 10 jours avant le paiement. Voilà, ici le 8 décembre, j'ai reçu 2018 Doge. Voilà, exactement 2018 Doge. Et j'ai encore fait un autre retrait à partir du site, de ce site. J'ai retiré 2000 Dogecoin que j'ai transféré via mon compte EXBET. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique et qui se demandent, pas seulement même en Afrique, hein. Pour EXBET, c'est toute la plateforme. Voilà, qui aimerait avoir leur argent de cette façon avec leur devise. Voilà, là, 2158 francs CFA. Voici la transaction des 2000 Dogecoin ici. Ça m'a donné 2142 francs. Ce qui est pas mal vu que. Un Dogecoin aujourd'hui c'est voilà 2000 Dogecoin pardon 2000 Dogecoin c'est 2201 francs donc j'ai reçu 2140 francs de XBET juste en likant des pages en copiant des pages en les ouvrant en faisant des trucs simples quoi je vais vous montrer c'est hyper simple alors vous aurez par exemple un aperçu des tâches que j'ai déjà eu à faire et à finir même voilà vous voyez c'est beaucoup de tâches. Voilà, des visites, bon là ce sont des tâches que l'employeur a refusé. Mais ça n'arrive pas très souvent. Vous pouvez voir là, beaucoup de tâches réussies. C'était principalement des visites de site. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est donc comment exactement je fais pour gagner de l'argent ici. Alors je vais cliquer sur Small Jobs. En fait, il y a aussi Ongoing Jobs et tout le reste. Hein. Vous aurez le temps de vous-même découvrir le site. Quoi. Ce sera à votre avantage. Là, je vais vous montrer comment on gagne. Donc, on va prendre quelques petits trucs là au hasard. On va par exemple prendre ça, visite website. Voilà, vous avez là le nom du job, le paiement, le nombre de tâches maximales et le nombre de tâches déjà effectuées. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, juste 2 centimes, ça va être facile. Je descends. Bon, je ne vais pas m'enregistrer, ça va me prendre un peu de temps. Je vais essayer de prendre un abonnement à YouTube par exemple. Voilà, par exemple là, un abonnement YouTube, on ouvre dans un nouvel onglet. Donc, comment est-ce que ça se présente? Voilà, par exemple, pour le cas de la visite du site. Ce que vous avez à faire, vous commencez par regarder toujours ici, là, en tête. Voilà, pour savoir si le job est OK pour votre pays. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la plupart des jobs qu'on propose ici sont accessibles à tous les pays, mais il peut y avoir des pays exclus. Voilà, comme vous avez ici là, vous avez la liste des pays. Ok. Donc, comment donc faire le job? Vous suivez juste les instructions. Alors, on te dit, va sur ce site, trouve la seule publicité en bas à gauche, ouais, en bas à gauche, et tu cliques sur la publicité. Ensuite, comme preuve, ce que tu fais, c'est de parler de la publicité. Excusez-moi, je mets ma traduction en anglais. Voilà, tu dis de quoi parle la publicité et tu mets l'URL de la publicité. Bon, je vais vous montrer ça, c'est facile. Donc, si tu n'es pas intéressé, tu cliques juste sur Not Interest in Job, ça va te remettre sur la page des Small Jobs. Mais bon, je vais faire ce travail, donc j'accepte le job. Bon, je vous conseille de copier déjà ceci. Alors, je vais copier. Donc, mes réponses
à l'employeur soit plus facile à lire pour lui. Ok. Donc, je m'en vais sur le site. Voilà, je vais sur le site. Et on copie, on passe. Malheureusement pour nous et pour lui, son site internet ne marche pas ici. Voilà, donc je vais arrêter ce travail. J'arrête ce travail et je vais en choisir un autre. Voilà, not interested in job. On choisit un autre. Voilà, visite website toujours. Voilà. Ici c'est un peu plus simple vu qu'on a juste à visiter les pages, voilà, visiter 4 postes et à chaque fois copier les numéros. Donc on fait la même chose encore, copie, contrôle. Voilà, c'était l'URL de n'importe quel post. Ok, mais pour être plus sûr, on va mettre que les 4 postes qu'il a demandé. Les 4 postes qu'il a demandé, parce qu'ici vous voyez bien, visit 4 posts à website. Voilà, et là pour les URL des deux publicités. Ok, donc on va se rendre sur son site cette fois. Voilà, le même déjà ouvert. Ok, voilà, le site s'ouvre, on va cliquer sur le premier lien qu'on voit ici. Normalement c'est ça, vu qu'il n'y en a pas d'autre. Alors attends. Ok, donc une fois sur son site, il nous a demandé de visiter 4 posts et de copier les liens de 2 publicités. Voilà, donc on va déjà commencer par cliquer sur les 2 publicités. Voilà, cette publicité-ci et celle-là. Donc on attend d'abord que le site charge correctement. Cette publicité là, celle-ci. Voilà, vous pouvez faire comme moi là, vous ouvrez dans un autre onglet pour qu'il soit plus rapide pour vous. Et concernant ces sites, on fait 4 sites. 1, 2, 3 et le quatrième. Voilà, c'est post pardon. Donc je ferme ce site-ci. Voilà. Une publicité déjà qu'on a ouvert, on la copie le lien, pardon. On le colle ici, là et là. Il s'agit des sites qu'on a ouvert, donc on va copier l'URL de chacun des sites. Voilà, pardon, vraiment c'est la machine qui est en train de laguer là. Voilà. Et il ne manque qu'une publicité, voilà, une publicité dont on se rend compte sur son site. Et on va cliquer publicité au hasard. Voilà, ceci. Donc voici le lien de la publicité, bon, du site contenu dans la publicité. Donc on le copie directement. Alors, on ferme tout ce qu'on a ouvert pour ne pas saturer notre mémoire parce que notre machine est déjà assez longue comme ça. Ok, on copie la deuxième URL de la deuxième publicité ici là. Alors, comme il a demandé. Ok, et on confirme. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le travail était enregistré. Vous voyez, le travail était enregistré. Mais en actualisant, par exemple, vous allez voir. En actualisant, vous allez vous rendre compte que votre solde, mon solde qui n'est qu'à 14 centimes de dollars, n'est pas incrémenté automatiquement. Voilà. Ce que j'ai fait, la tâche que j'ai faite, que j'ai soumise, est plutôt enregistrée ici, si son montant. Et elle sera incrémentée à mon solde principal une fois que qu'elle aura été validée par l'employeur. Voilà, bon, c'est comme ça que ça marche ici là. Donc vous attendez la validation de l'employeur, puis vous récupérez directement
votre agent sur votre compte principal. Voilà, c'est la même chose pour tous les autres sites. J'ai déjà pris assez de temps pour la première tâche. Voilà, pour s'abonner à la chaîne, c'est facile. Vous suivez l'instruction là et vous le faites. Bon, il y aura aussi bien sûr des tâches qui nécessiteront un petit logiciel de capture d'écran. Vous pouvez l'avoir ici. Voilà, mais c'est facile. Tout ça, c'est vraiment très facile. Aujourd'hui, ma machine est un peu laguée. Ça a pris un peu trop de temps même. Mais bon, c'est assez cool comme ça. Et ne vous laissez pas prendre au piège lorsque vous voudrez retirer votre argent. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous inscrirez à partir de mon numéro, vous recevrez une, je crois, c'est $1, un truc comme ça, 75 centimes de dollars ou bien $1. Vous devrez, avant de retirer votre argent, avoir utilisé ce dollar sur le site. Donc, vous allez créer un job. Vous allez demander aux utilisateurs de faire n'importe quoi à vous de voir. Et une fois que votre dollar sera fini, vous pourrez maintenant décaisser votre argent. Voilà. Il faut décaisser, vous voyez là, crypto-monnaie, PayPal, PaySafeCard et tout le reste. Voilà. Et aussi, c'est les commissions qu'ils prennent sur le site. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai pu le faire, mes 5,45 $ que j'ai décaissé, que j'ai eu sur le site iceberg que j'ai envoyé ici, parce que ouais, en parallèle je suis aussi un peu parieur, donc je vous présenterai plus tard certainement sur la chaîne une vidéo qui vous montre comment parier de manière safe sur la chaîne. Voilà, je ferai peut-être ça s'il y a suffisamment de likes sur la vidéo, on ne sait jamais. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos dans le genre, vous pourrez vous abonner à ma chaîne YouTube, MightyFakeTutorials. Voilà, vous voyez, vous aurez accès à un énorme contenu. Bon, énorme, c'est juste 20 minutes pour le moment, mais c'est assez instructif. Voilà, donc encore une fois, PicoWorker, c'est un site extrêmement facile qui marche sur tous les dans tous les pays comme vous l'avez vu, hein, et les paiements sont aussi généralisés, notamment avec la crypto-monnaie qui est accessible partout. Voilà, donc c'était MightyFake. Si tu as apprécié le tutoriel, alors n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si tu veux en recevoir plus, et surtout pour me dire merci, à passer par le lien d'inscription de PicoWorkers que j'ai mis dans la description. Voilà, je vais pas le cacher, c'est un lien de parrainage, quoi. Donc à chaque fois que vous allez faire une tâche, je gagnerai 5%, et 5% c'est pas si énorme que ça. Pour vous dire, si vous gagnez $1, je vais gagner 5 centimes. Voilà, c'est extrêmement petit. Donc, faites-moi plaisir juste en passant par le lien d'inscription. Voilà, encore une fois, c'était MightyFake. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. Je me répète, mais c'est hyper important aussi à commenter. Voilà. On se dit donc à la prochaine. Ciao.